Alors, les enfants, la vie est belle? Curieux, ce silence. Vous m'avez fait peur. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert le plus grand concours de grimaces du monde. Très réussi. Je dirais 7 sur 10. À mon tour. Regardez. Magnifique grimace. 9 sur 10, ma chérie. Bravo. Et celle-là? Bien joué, Kiko. Je te donne 7 sur 10. Pas mal, mais la mienne est mieux. Alors là, mon garçon, t'es un champion. 10 sur 10. Attention, les enfants. S'il y a un courant d'air, vous allez rester comme cela toute votre vie. Et vous risquez de vous retrouver avec tous les monstres défigurés comme vous qui traînent au pays des courants d'air. Oh, c'est une blague, grand-père. Pas du tout, tout le monde sait ça, voyons. Oh, mais c'est horrible. Vous imaginez avoir une grimace sur le visage pour toujours? Votre maman ne vous a jamais appris ça? Non, jamais. Heureusement que je suis là, alors. La bonne farce. Personne ne s'est jamais retrouvé défiguré à cause d'un courant d'air. Vous vous rendez compte? Un simple petit coup de vent et hop, on reste comme cela toute la vie. Mais non, un coup de vent, ça peut pas faire rester une grimace toute la vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est impossible, tout simplement. On n'a qu'à faire l'expérience. Tu es sûr qu'il n'y a aucun risque, Kiko? Et si grand-père avait raison? T'inquiète pas, je ne risque rien. Et même si grand-père a raison, je suis sûre que ça peut être utile quand même. Oh non! Regardez, il est déjà pris. Ah! Au secours! Oh, c'est horrible! Si madame veut bien se donner la peine... Bon. Je suis prêt. Moi aussi. C'est quand vous voulez. Maintenant. Grand-père avait raison, t'aurais dû l'écouter. Allez, c'est pas si grave, Kiko. Même comme ça, tu resteras toujours notre copain. Oh non, non. Ne les écoute pas, ils te font une blague. Il n'y a aucune grimace sur ton visage. Oh, ouf. À nous de leur faire une blague maintenant. C'est quoi? Un miroir déformant. Faudrait un complice. Bouge pas, j'ai une idée. Grand-père? Oui, ma chérie? Mes frères, ils font croire à Kiko qu'il y a une grimace sur son visage pour toujours. On veut leur faire une blague, nous aussi. Mais on a besoin de toi. Une blague, tu dis? Ça me plaît bien. D'accord. Super! Ah, vos visages, c'est atroce! Quoi, nos visages? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment dire? Ils sont tout déformés par une affreuse grimace. C'est pas vrai. Ben si, regardez. Vous avez été dans un courant d'air récemment? Tout à l'heure, dans la chambre, oui. Ah ben voilà, c'est sûrement ça. Mais grand-père, ça peut pas être possible. Et en plus, c'est affreux. On ressemble à des grenouilles. Allez, c'est pas si grave. Même comme ça, vous resterez toujours mes copains. Je vous avais pourtant bien dit de faire attention. Oh là 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 là, qu'est-ce que votre maman va dire en rentrant? D'ailleurs, la voilà. Je suis rentrée. Mais si maman nous voit comme ça, elle va plus du tout nous reconnaître. Quoi? Quoi? Coucou, maman.
Ouh, on est là. En bas. Mais en même temps, l'avantage, c'est que si vous faites peur aux gens, vous aurez la boulangerie pour vous tout seul. Ou bien alors, vous pourrez être une attraction dans un cirque. Tout le monde viendra pour admirer vos têtes de clown et comme ça, vous verrez du pays. Voilà, pour passer inaperçu. Mais on va pas pouvoir garder ça sur la tête tout le temps. Coucou tout le monde. Oh, vite, vite, maman ne doit pas vous voir comme ça. Bonsoir ma fille, bonsoir Kiko. Bonsoir madame. Bonsoir les garçons. Oh, youpi, on n'a plus de grimace. Youpi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as vu maman, nos visages ils sont normaux. Normaux? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils ne sont pas normaux du tout. Hein? Ils sont très beaux et vous êtes mignons comme des cœurs. Grand-père, t'es qu'un grand farceur. Bien sûr que c'était une farce. N'empêche que vous y avez cru jusqu'au bout. Allez dans mes bras. Bouh. Oh. Même pas peur. Va vraiment falloir qu'on t'apprenne à faire des grimaces plus effrayantes. Toto, il devrait faire attention au courant d'air lui aussi. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Il est là, maman. Oh, merci, ma chérie. Bon, je crois que j'ai tout. Oh, j'allais sortir en chaussons. Heureusement que tu es là. Ouais. Vive Elliot, vive Elliot, notre babysitter. Vive Elliot, vive Elliot, notre babysitter. Oh, merci, c'est super gentil. Qu'est-ce que tu chantes bien? Oui, une vraie diva. Et nous? Il y a encore un peu de travail. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure, mes chéris. Soyez gentils avec Elliot. Bon, alors, à quoi on joue? Aux gendarmes et aux voleurs. Non, on joue à chat. Vous avez peut-être des devoirs, non? Oh non, pas les devoirs. Qu'est-ce que vous avez à faire pour demain? Pour demain, rien. Rien du tout. Mais si, on doit apprendre une poésie. Ah, laquelle? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Je la sais déjà. Je vais vous aider à l'apprendre. Mais nous, on préfère jouer. Pas de problème, on a tout l'après-midi. Ouais. Tu fais ça sérieusement, dis donc. Je peux voir? Tada! Waouh! Hey, fais voir, montre! Elle est forte, très forte. Je suis encore meilleure à la pâte à modeler. Ah bon? On pourrait en faire alors. Ça vous tente, les garçons? Oui! Le dernier galet va passer. Pousse-toi! Voilà, les enfants. Amusez-vous! Tiens! Tu l'auras cherché! Hé, les garçons! Et toi aussi, tiens! Tiens, ouais! Ça, prêt! Oh, misère! Trop beau! Vous découragez pas, les garçons! Vous y arriverez peut-être un jour! Bon, si on jouait aux petits chevaux? Pas la peine, elle va gagner. Oui.
Elle réussit toujours tout. Mais vous êtes très fort, vous aussi. Allez, choisissez un jeu où vous êtes bon. Cache-cache. C'est parti. Je vais compter dans l'entrée. Je sais qui va gagner. Un, deux, trois, quatre, j'arrive. Personne ici, personne là. Et si j'allais faire un petit tour en haut? Ils ne me trouveront jamais. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Je continue ma route. Ah non, personne. Ils sont bien cachés, ces enfants. J'arrive pas à les trouver. Ah, j'ai entendu du bruit. Trouvé. Oh non. Toi aussi, trouvé. Oh non. Et pas moi. On te l'avait dit. Elle gagne tout le temps. Venez, on va la trouver. Alors, est-ce qu'elle est dans la cuisine? Non, elle n'est pas là. Mais où est-ce qu'elle est passée? Continuons, les enfants. Allons voir dans la chambre. Je suis trop forte. Hé, les garçons, on n'a pas encore cherché en haut. Pas la peine. Elle a sûrement une super cachette qu'on trouvera jamais. Je prends les jaunes. Je lance les dés. Hé, tu peux sortir. La partie est terminée. Ohé. On va mettre de la musique. Ça va la faire venir. Tu as vu, Toto? Il ne me cherche plus. Oh, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire ma sieste? Remarque, la partie de cache-cache est finie et j'ai gagné. Mais j'aimerais bien qu'il voie ma cachette. À toi, lance les dés. Trois, un, deux, trois. Ohé! Ohé! Ben oui, mais on t'a cherché partout. Maintenant, on sait où t'étais. C'était une trop bonne cachette. Pas du tout comme les vôtres. Oui, ok, c'est bon, t'es la plus forte, on a compris. Elliot, à toi de jouer. Oui, j'arrive. Je peux jouer avec vous? Et les voilà partis pour le Grand Prix Lambert avec un bon départ dans son Ruby 75 marche à poser formidable. Ruby 75 en touche câble cette fois-ci encore. Mais bien sûr que tu peux jouer avec nous. Hein? Je vous promets que je perdrai. Bon, d'accord. Alors? Ha! Oh! Oups! Le plus fort, finalement? C'est moi!